Merci, Colo, de Commission Paposamara, Zami Namouya, le Tout-Puissant. Merci pour la dimanche qui tombe le précipice. Soit loué, soit loué, soit loué. Merci, Colo, pour la sanction. Que le béni bénisse à toi, Samuel, nous accueillons. Colo, merci pour la bénédiction. De Commission, de Tondio, de San Giulio, de Chalat. Oh, par merci pour la moment de toi. Pour le femme, bon soit loué, soit sanctifié, soit faire ton pain, mon lieu, pour être. Donc, où mon kembo, ma sœur, je continue sur cantique, mon Yesu yo malamu mingi yo lingingai mingi yo kufela yo kufela kingai yo talisi manjila yemba aleluya Seigneur, que tu qui un bon moment de dimanche pour Yahweh, nous sommes là, Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom, people of God. Nous vous bénissons dans les beaux et précieux noms de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bless you in the good and wonderful name of our Lord Jesus Christ. Nous savons que nous traversons des moments difficiles. We know that we are going through a difficult time. Pour nous, le peuple de Dieu. For us, the people of God. La parole déclare, et même si nous sommes liés, mais la parole n'est pas liée. The word declares that even if we are bound, but the word of God is not bound. Bien que nous avons des impositions par-ci par-là. Although we may have impositions all over the world. Mais nous comprenons quand nous lisons les Écritures que les apôtres aussi avaient connu ce moment. And we understand when we read scriptures that the apostles also they went through these times. Et ils s'arrangeaient de toutes les façons pour véhiculer l'Évangile. And they made a way so that they can always spread the gospel. La bonne nouvelle de Jésus-Christ. The good news of Jesus Christ. Et c'est pour cette raison que nous aussi nous sommes arrangés. It is also for that same reason that we have also prepared. Pour apporter la bonne nouvelle à vous, le peuple de Dieu. To bring the good news to you, the people of God. Parce que vous êtes si précieux aux yeux du Seigneur. Because you are so precious in the eyes of the Lord. Et à prix du sang de son sang qui nous a acquis, racheté. And through the blood that he has redeemed us with. C'est pourquoi nous avons eu ce moment pour partager la bonne nouvelle. That is why we have taken this time to share the good news. Et nous partageons notre bonne nouvelle de ce texte que nous avons tiré dans
De Corinthiens 3 au verset 16. And we are sharing according to the theme of 2 Corinthians chapter 16. Là où la parole déclare. Where the word of God declares. Mais lorsque le cœur s'est converti. That when the heart is converted. Le voile est ôté. The veil is taken away. Nous voyons que quand le cœur se convertit au Seigneur. We see when the heart is converted to the Lord. Le voile est ôté. The veil is taken away. Ou les barrières sont tombées. Or the barriers have fallen. Le blocage est tombé. Or all the blocks have fallen. Je ne parle pas de blocage mondain, je parle de blocage spirituel. I'm not speaking of the physical or blockage, but des spiritual. Des barrières qui nous bloquent afin que nous ne puissions pas voir la gloire de Dieu. Barriers that stops us from seeing the glory of God. Le voile qui nous empêche de voir clair combien ce que Dieu est merveilleux. The veils that stop us to see the goodness and the marvelousness of God. C'est ce que j'avais dit le dimanche passé, ça, à cette même place. It's like we said last Sunday in the same place here. Nous connaissons tous, nous, les bien-aimés de l'espérance éternelle Everlasting Hope Ministries. We know that all of us, the beloved of Everlasting Hope Ministries. Pendant cette année, nous parlons du voile qui est ôté. Through this year, our theme, we're speaking of the veil taken away. Et moi, Dieu m'a donné la conviction de parler sur le processus de la conversion. And God has given me the conviction to speak of the process. Et j'avais dit que le processus de la conversion, c'est justement des expériences nouvelles que nous faisons avec Christ. And we said that the process that we are going through is the experience that we are going through Christ. Donc c'est un moment de faire des nouvelles expériences avec It Dieu. It is a time to make or do new experiences with God. Alors, nous avons énuméré beaucoup de points. And we have spoken of a lot of points. Nous avons commencé par les contextes. We started with the context. Où nous avons dit que tout un chacun de nous. Where we said each one of us. Quand le cœur s'est converti au Seigneur. When the heart is converted to the Lord. Quand nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. When we accept Jesus Christ as our Lord and Savior. Il y a des étapes à franchir. There are steps that we must go through. Où il y a des moments que nous devons traverser. Or shall we say moments that we have to go through in life. Il y a des expériences que nous devons maintenant commencer à faire avec Jésus. Experience that we must be going through with Jesus. Nous parlons du processus de la conversion. And we're speaking of the process of conversion. J'avais énuméré les points. And I said you are amongst one of the points. J'avais déjà explicité. That I have already explained. Je parlais du contexte. I spoke of context. Je parlais de la crise. Spoke of crisis. Je parlais de la quête. Spoke of quest. Je parlais de la rencontre. Spoke of encounter. Je parlais le dimanche passé de l'interaction. Last Sunday we spoke about the interest of action. Et aujourd'hui nous aimerons parler d'un nouveau point. And today we want to speak of a new point. Je crois que c'est le sixième point. And I believe it is the sixth point. Et c'est ce que nous allons partager cet après-midi. And it's what we are going to share this afternoon. N'oublions pas que nous parlons du processus de la conversion. Let us not forget that we're speaking of the process nous of conversion. Nous voyons que dans notre vie. And we see that in our lives. Ou dans nos vies. Or in our all of our lives. Nous avons des expériences par-ci par-là. We see that we have different experiences. Mais quand nous rencontrons Jésus-Christ. But when we meet Jesus Christ, nous venons maintenant à vivre une nouvelle expérience. We come to live a new experience. Et par cette nouvelle expérience, and by this new experience, il y a des choses que nous devons affronter. There are things that we must confront. Il y a des choses que nous devons vivre. There are things that we must face. Mais la parole me dit, but the word tells us, dans toutes ces choses, in all these things, nous sommes plus que vainqueurs. We are more than conquerors. À celui qui nous a aimés. According to the one that loves us. Aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur. So beloved in the Lord today, écoutez, listen, après l'interaction, and after the interest of action, après l'échange, after the exchange, parce que l'interaction, because the interest of action, deux personnes, there is two people, il y a Jésus Christ, there is Jesus Christ, qui a quitté les cieux, who has left the heavens, il se revêtit, who came, de la peau humaine, who took the flesh, il se fait homme, and became a man, il a porté nos péchés, and to carry our sins, il se livre, he gave himself, à cause de l'amour, for his love, sur la croix, on the cross, pour vous sauver. So to save us, pour me sauver, to save me, il a fait couler son sang. He poured his blood, et nous sommes rachetés par son sang. And we are redeemed through his blood. Jésus Christ, so Jesus Christ, a fait un échange, has made an exchange, nous a donné la vie. He has given us life. Au retour, and in turn, nous return, aussi, he us also, comme l'apôtre Paul le dit, as the apostle Paul says, offrez vos corps, give your bodies, comme un sacrifice vivant, as a living sacrifice. Nous devons maintenant nous aussi, so we also, Jésus Christ s'est livré pour nous. Jesus Christ gave himself il for nous us, a donné la vie gratuitement. Given us free life. Il nous a donné le salut gratuitement. He has given us salvation for free. Nous avons la vie éternelle.